Harry Lorraine l'explique dans un de ses bouquins. Donc vous savez tous que un jeu de cartes, donc 52 cartes, bon, je vais pas vous dire ça représente une année, les semaines, les machins. Mais si on retire une carte d'un jeu, en l'occurrence par exemple un As, on va faire simple pour que vous compreniez l'idée. Eh bien, si moi je compte toutes les cartes une par une, c'est-à-dire pas les compter une, deux, trois comme ça, mais faire la dame plus le 4, plus le 9, plus la dame, plus le 10 et tout ça, je vais arriver à un total. Et forcément, ce total, eh bien, si je fais la différence entre le total d'un jeu de cartes et ce qui me reste, j'en déduis forcément la carte manquante. C'est logique, vous êtes d'accord avec moi, hein? Si un jeu de cartes représente un chiffre, un nombre de 400, et que j'ai levé par exemple un 10, si quand je calcule mon jeu, je trouve 390, c'est que forcément il y a un 10 qui a été choisi. La différence. Après, allez savoir lequel, ça, il faut regarder le jeu et pour savoir quel 10 a été pris. Mais on va pousser l'expérience beaucoup plus loin. Parce que faire ça comme ça, ça demande énormément de temps et de pratique pour connaître, c'est-à-dire pour apprendre en fait à calculer. Alors, Harry Lawrence, à force de le faire, le faisait en 17 secondes. C'est-à-dire qu'il passait son jeu comme ça, en disant oh, je vais essayer de voir la carte qui manque, et il calculait toutes les cartes et il mettait 17 secondes, alors, ce qui paraît court mais qui est en fait long, hein. Là j'arrête de parler pendant 17 secondes, je vous garantis que c'est long. Et du coup moi j'ai appris le faire tout simplement par ce qu'on appelle de la photo mentale en fait, hein. C'est-à-dire que je vois un objet qui est ici, je vois attaque, boum, j'ai ça en mémoire, et maintenant si vous les déplacez je peux savoir exactement comment ils étaient. Alors pour ça, on pourrait dire que je triche, mais on va imaginer un petit truc. Alors pour éviter de... que vous pensez que je fais des mélanges, des coupes, des machins qui déplacent juste des cartes, je vais pendant tout le long du numéro faire que des mélanges où les mélanges sont des mélanges parfaits, c'est-à-dire les cartes une dans les autres. Vous savez que c'est le seul mélange qui, une fois qu'il est fait une fois, deux fois, trois fois, c'est complètement mélangé, on appelle ça un faro, mais un mélange parfait. Donc on va commencer la petite expérience. Je vais couper pile poil à moitié et je vais mélanger mon jeu. Et je vais le mélanger autant de fois que tu le désires. D'accord? Donc, premier mélange. Si tu veux que j'arrête, on arrête là. Si tu veux qu'on continue. Cinq. J'en fais 5? 5. Donc, 4 de plus ou... Donc, 4 de plus? 4 de plus. 4 de plus. Donc, c'est le premier. Maintenant, le deuxième. Donc, je peux à chaque fois vous montrer. Hein. D'accord? Hop. Le troisième. 5. Il aurait pu me dire moins, mais c'est pas grave. Allez. Tu aurais pu dire plus. Tu aurais pu dire plus. Hop, le troisième, le quatrième, hop. Tu les fais tellement bien aussi que c'est un plaisir. Voilà, et le cinquième. À savoir que les pharaons, c'est pas évident. En faire 5 d'affilée parfait, voilà. Bravo Jérôme. Ok, hop. C'est surtout de couper. Et là, il les a toutes remises, ouais, noir, blanc, rouge, vert. Voilà, ok, 5. Donc 5 parfaits, donc on a un jeu qui est complètement mélangé, d'accord? Maintenant là où ça va devenir l'idée, c'est ça. Laissez-moi juste quelques secondes, ok? Vraiment quelques secondes. Mais ça va aller très vite. Hein. Moins que 17 secondes. Plus fort qu'Harry Lorraine alors. Gérard, je ne regarde absolument plus le jeu. Je vais te demander de couper le jeu, comme ceci, autant de fois que tu le désires. C'est-à-dire, attends, tu coupes. Tu complètes, tu coupes, tu complètes, d'accord? Et à un moment, ouais, tu t'arrêteras, tu coupes, d'accord? Ouais. Tu prendras la carte, ouais, tu la regardes pas, et tu recompléteras, ok? Allez, vas-y, tu coupes et tu complètes. Tu coupes et tu complètes. Et quand tu as envie, tu t'arrêtes. Ouais? Tu prends la carte de coupe, ouais, et tu complètes. Je garde la ouais carte. Ouais, ouais, garde la carte. Mais regarde pas la carte, je vais pas regarder le jeu, je vais juste te demander si tu es capable de savoir la carte que tu as prise. Bah, je l'ai regardé donc. Ah, tu l'as regardé? J'ai... Ah bon, est-ce que tu es capable de savoir la carte qu'il a prise juste en regardant le jeu? Moi je pense que c'est une... Tu penses? On va voir. T'es pris quelques secondes, d'accord? Je repère. T'as raison, c'est une carte noire. C'est du trèfle, ouais. Et c'est quoi? Le roi. Non, le 9. C'est ça? Ça marche. Pas mal. Alors, on pourrait dire, oui, tu connais l'ordre des cartes par cœur. On va pousser l'expérience un petit peu plus loin. Tu veux que je fasse combien de mélanges encore?
Faro. Ouais, un mélange parfait. Deux. Deux, allez, regarde. Je vais t'épargner. Non, non, c'est pas, regarde. Le premier. Ouais. Ok. Et le deuxième. Hop. Je sais pas si j'ai coupé à moitié. Apparemment, oui. Hop, deuxième, ok. Ok. Ouais. On va refaire la même chose. Tu vas couper le jeu. On va essayer d'aller beaucoup plus vite. Tu recomplètes. Et tu fais ça autant de fois que tu veux. Et quand tu as envie, tu t'arrêtes, tu prendras la carte de coupe. C'est bon? On recomplète? Oui. Sûr? Oui. Attention, juste quelques secondes. Yes. Non, c'est une carte rouge. Une carte à cœur. T'as coupé sur le 6 de cœur. Tu peux regarder? Valet de pique. Valet de pique? Oh, c'est possible, mais... Alors... Pour dire, c'est pas un jeu marqué déjà. Non, c'est pas un jeu marqué. Alors, on pourra aller beaucoup plus loin dans l'expérience, parce que vous savez que... Alors, c'est très simple, donc je vais vous expliquer comment je fais. En fait, donc, je compte très rapidement... Non, c'est ici, réellement, mais, et ce qui fait que j'en déduis le nom de la carte. Mais c'est des années de travail. Par contre, là où ça serait intéressant, c'est d'enlever une partie des cartes, et là, maintenant, de choisir une carte. Et on n'a plus le total, puisque j'ai enlevé une partie de carte. On va essayer ça. Alors, pour ça, je vais faire ça. Tiens, regarde. Je vais remélanger les cartes. Hop. Moitié, moitié. Ok, donc je prouve. Hein. Ok, que les cartes sont vraiment bien toutes mélangées. D'accord. Il n'y a pas d'ordre particulier. Et je vais te demander ce coup-ci de couper où tu as envie. C'est-à-dire, tu coupes. Et tu regardes la carte, d'accord? Mais avant ça, si tu veux couper plusieurs fois, tu peux. Il n'y a pas de triche, vas-y. Je te laisse couper et compléter la coupe. Et tu fais ça autant de fois que tu désires. Allez, pose là. Alors, normalement, tu aurais dû couper un petit peu plus petit. J'espère pour moi que je peux calculer, d'accord? Donc, t'as coupé, c'est ça là que t'as coupé? Oui. Donc, je récupère ce paquet. T'imagines toutes les cartes manquantes qui me manquent, d'accord? On va essayer quelque chose. Je pourrais pas, t'as coupé trop de cartes, je peux pas le calculer. C'est comme ça? Coupe-en moins. Je peux pas le calculer, c'est impossible. Coupe-en moins. Voilà. C'est bon? Regarde la carte. C'est bon? Ouais. Je pouvais pas le calculer, j'avais pas assez de cartes. Yes. Je vois une carte que t'as coupée. Ouais. Alors qu'il me manque tout ce panel de cartes. C'est une carte rouge ou une carte à carreaux? Ouais. C'est le 8 de carreau, c'est exact? Ouais. Ça marche. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin dans ça. Parce que là, on peut dire que c'est que des coïncidences. Mais imagine que je fasse, par exemple, beaucoup plus fort que ça. On va imaginer quelque chose. Zibé, combien de fois tu veux que je mélange les cartes? Une. Une fois?